Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 6 du TD sur la superposition d'ondes qui s'appelle miroir de Lloyd. C'est un exercice qui est assez classique. Dans un premier temps, on nous demande de rappeler la formule de Fresnel qui établit l'intensité résultante. Donc je vous rappelle que la formule de Fresnel nous dit que l'intensité résultante c'est égal à I1 plus I2 plus 2 racine de I1 et 2 cosinus de K fois delta, hein, où K fois delta est égal à delta phi également, et delta est la différence de marche optique, on travaille en optique ici, et non pas la différence de marche géométrique. Donc ici on a que I1 égale I2 égale I0, donc on en déduit assez aisément la formule de répartition de l'intensité qui va s'écrire 2I0 facteur de 1 plus cosinus de k le vecteur d'onde fois delta la différence de marche optique. Voilà. Donc ça c'est dans un premier temps. Et ensuite on va étudier plus en détail le système du miroir de Lloyd. Le miroir de Lloyd, on a une source primaire ponctuelle avec un miroir, et on va observer des interférences entre un rayon qui va directement depuis la source jusque sur l'écran, avec un rayon qui s'est réfléchi préalablement sur le miroir. On nous demande de montrer que c'est analogue à une expérience des trous de Young. Bah déjà, on peut dire qu'on a une source unique au départ. Je vais laisser un peu de place ici. On a une source unique au départ. Et donc on peut étudier le phénomène d'interférence de deux ondes. On peut étudier le phénomène d'interférence entre deux ondes, une issue de S arrivant directement sur l'écran, et une issue de S arrivant sur l'écran après avoir été réfléchi. Tout simplement. Après avoir été réfléchi. Et il est très facile de montrer que l'onde issue de S s'étant réfléchie sur le miroir, eh bien, si on prolonge ce rayon-ci, on va très très vite se rendre compte que tout se passe comme si elle provenait d'une source fictive S2 dans le prolongement du plan ici contenant S, et la distance ici, évidemment par propriété des lois de la réflexion de Snell-Descartes, va être également égale à petit d, donc tout se passe comme si on a deux sources secondaires, hein, S et S2. Comme dans les trous de Young. Donc en fait, cette distance-ci, hein, jusqu'à ce point, est égale à celle-ci. Évidemment, si j'appelle H ce point, on a S de H égale SH, hein, par propriété des lois de la réflexion de Snell-Descartes. Donc tout va se passer en fait comme des trous de Young. On a deux sources secondaires et on va pouvoir étudier la différence de marche de ce type. Donc on me demande de faire apparaître dans la question 3 la zone d'interférence. Mais la zone d'interférence, pour la construire, on va utiliser deux rayons. On va utiliser le rayon qui se réfléchit au plus près du miroir. Donc on va essayer de faire un angle cohérent. Et on a le rayon qui part directement et qui ne se réfléchit pas mais qui tape au point O. Et la zone d'interférence va être tout simplement à l'intersection des deux. Ici. Donc ça c'est la zone d'interférence. Cela veut dire que si je prends un point M en dehors de cette zone, eh bien je ne pourrai pas avoir deux rayons. Si je prends un point M dans cette zone, je vais bien avoir le rayon qui l'atteint directement et le rayon qui peut l'atteindre après réflexion. Bon, admettons ici, hein, il faudrait construire les lois de Snell-Descartes. Donc là, on a interférence. Par contre, si je prends un point M en dehors de la zone qu'on a ainsi dessinée, on a bien le rayon qui va y aller directement. Par contre, le rayon qui pourrait atteindre par réflexion ce point ne tape pas sur le miroir, donc il n'y a pas de rayon réfléchi pouvant atteindre M.
si on dessine M ici. Donc la zone d'interférence, elle se situe là où on l'a dessinée, avec les deux rayons extrêmes, un tapant le point H et un tapant le point O. Donc on me demande d'exprimer la différence de marche optique entre deux rayons lumineux venant interférer à un point M de l'écran, et on déduira la différence de phase, et on admettra que le rayon réfléchi par le miroir subit un déphasage supplémentaire de pi. Donc il faudra prendre en compte ce petit déphasage. On a delta optique qui est égal au chemin optique entre S, M, on va l'appeler direct, moins SM miroir. Voilà, et donc SM direct, bah, c'est égal tout simplement à la distance SM. Et SM miroir, d'après le dessin qu'on a fait précédemment, c'est égal à S2M en fait. Tout simplement. Pour l'instant, sans tenir compte de la réflexion. On la rajoutera à la fin. Et donc SM moins S2M, bah, c'est égal tout simplement, comme on est dans l'air, à SN de l'air fois la distance SM moins la distance S2M. Et là, on ne va pas refaire la démonstration, étant donné qu'on l'a déjà fait dans les trous de Young. Bon, ici, on va l'avoir, elle va être négative. Si je la prends dans ce sens-là, j'aurais pu la calculer dans l'autre sens. On pourra avoir quelque chose de positif. La différence de marche dans l'énoncé, c'était demandé entre deux rayons venant interférer en un point M de l'écran. Je vais prendre, pour faire vraiment comme dans l'exercice des trous de Young, je vais prendre plutôt SM miroir moins SM direct. Voilà. Ça ne change pas grand-chose. Hein. Ça fait S2M moins SM. Ça fait NR facteur de S2M moins SM. Et ça, on l'a fait comme dans les trous de Young. Hein. Je rappelle la méthode où on écrit, on fait tout simplement le calcul. On peut le faire. On a S de M qui est égal, d'après Pythagore, si on dessine dans ce triangle-là, là on a X plus D hein, comme distance. Donc on a S de M qui est égal à la racine de X plus D au carré plus la distance grand D au carré. S1m va être égal à la racine carrée de x moins de d moins x au carré plus d carré, puisque cette fois-ci il faudrait utiliser le triangle rectangle ci. Pardon, c'est pas droit. Voilà, et donc là on a une distance d moins x. Et donc toujours la même astuce, on peut factoriser, ça fait d facteur de la racine, on utilise le développement limité, ça fait 1/2 de x plus d au carré sur d carré. S1m, ça fait la même chose, mais avec le d moins x. On a utilisé le fait que racine de 1 plus x est à peu près égal à 1 plus 1/2 de x. Et donc, S2m moins S1m, si on fait le calcul et qu'on développe, il va rester uniquement le terme croisé, c'est-à-dire 2dx sur 2d plus 2dx sur 2d, c'est-à-dire 2dx sur d. On retrouve bien le ax sur d des Van de Jung, dans la mesure où 2d joue le rôle de petit a dans les Van de Jung. Et donc, eh bien delta optique, en fait, il faut rajouter S2m moins S1m fois NR. Et il faut rajouter le lambda sur 2. Ça, c'est le déphasage par le miroir. Un déphasage de pi radian, c'est pareil qu'un déphasage de lambda sur 2 en mètres. Donc delta optique est égal à 2dx sur d plus lambda sur 2. Et delta phi, qui est égal à 2pi sur lambda delta optique, va être égal à 2pi sur lambda 2dx sur d plus 2pi sur lambda fois lambda sur 2, c'est-à-dire pi comme attendu. Donc voilà pour delta phi. On va pouvoir en déduire l'expression de l'intensité lumineuse en fonction de petit x. C'est plus très compliqué maintenant de faire ça.
Donc, on a tout simplement, c'est la question 5, on a i de x qui est maintenant égal à 2i0 facteur de 1 plus cos 2pi sur lambda 2dx sur d plus pi. Et donc, i de 0 est égal à 2i0 facteur de 1 plus cos pi, ce qui est égal à 0. Donc on a des interférences qui sont destructives en x égale 0 à cause de la réflexion du miroir dont on a admis le déphasage de pi. Contrairement au fond de Young où c'était une interférence constructive en x égale 0. On nous demande enfin l'interfrange. L'interfrange, c'est la distance entre deux maxima consécutifs. I est la période spatiale finalement de I de X. Donc on a I de X qui est égal à 2I0 facteur de 1 plus cos 2pi sur petit i X plus pi. Et on peut identifier l'interfrange ici comme étant le terme qui est devant le 2pi x. Hein, donc on obtient que i est égal à lambda d sur 2 petit d, ce qui est bien l'équivalent du lambda d sur a dans les franges de Young. On me demande de faire l'application numérique. Lambda c'est 0,6 microns, fois d, grand d c'est 80 cm, divisé par petit a c'est 2 fois d ici, 2 fois 1,5, 10-3. Et on trouve 1,6 fois 10 moins 4 mètres, c'est-à-dire 0,16 millimètres. Donc, on me demande à quelle distance de O se trouve la cinquième frange brillante. Dans cette question numéro 7, ici. Eh bien, en x égale 0... On a montré qu'on avait une frange sombre. Donc la première frange brillante est en x égale i sur 2, hein, tout simplement, puisque toutes les interfranges, on a une destructive. Donc on a en x, on va l'appeler x1, qui est en i sur 2. On veut la cinquième frange brillante. Donc la première frange brillante est en i sur 2, la deuxième est en 3i sur 2, la troisième est en 5i sur 2. Hein, donc x5 est égal à i sur 2 plus 4i, tout simplement, c'est-à-dire 9/2 de i. Hein, comme ça, on est bien à la cinquième frange brillante. Et donc 9/2 de i, on trouve 7,272 mm. Du centre. Voilà, on est à 4i complet plus une demi. Dernière question, on me demande le nombre de franges brillantes visibles sur l'écran. Donc là, l'idée, c'est de calculer la zone d'interférence et ensuite d'en déduire le nombre de franges brillantes. Donc là, on va utiliser le rayon qui passe par le bord. Voilà. On va appeler alpha cet angle, et le but c'est de calculer cette distance petit l sur l'écran. C'est la zone d'interférence. Elle est de taille petit l, et donc on a d'une part on a tan alpha qui est égal à petit d sur d moins l, mais qui est aussi égal à L sur grand L. Donc là, ce que je cherche, petit L, c'est bien égal à L sur D moins L fois un petit D, hein, de cette manière-là. On a utilisé les tangentes, et donc l'application numérique va me donner petit L, grand L, on a grand L,
Ici, c'est 30 cm. 0,3 divisé par, on a trouvé d moins l fois petit d. D, c'était 0,8 moins 0,5 en mètres fois petit d, 1,5 mm. Ça fait 1,5 mm. Donc, on a un écran de taille 1,5, enfin une zone d'interférence de taille 1,5 mm, et avec I qui est égal à 0,16 mm, on peut calculer L sur I, qui est donc égal à 9,38. Donc, on va pouvoir observer, sachant que I sur la première est une frange sombre. Or, en X égale 0, on a une frange sombre. Donc en fait, la zone d'interférence qu'on a vraiment, c'était le 1,5 moins 1,5 de I. Et ça, on doit la diviser par l'interfrange et on va trouver 8,8. Donc on a 8 franges brillantes visibles. Voilà pour cet exercice qui est assez classique, mais pour lequel il faut quand même avoir quelques notions sur les interférences lumineuses. Donc j'espère que la correction a été claire, qu'elle vous aura plu, et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Merci beaucoup.